ce soir. Et à 18h, l'Angola affrontera le Nigeria. Comme annoncé en nouvelle, la RDC affronte ce soir la Guinée-Conakry en quart de finale à la CAN Côte d'Ivoire. Les Congolais sont confiants quant à la victoire de leur équipe nationale, suivant leurs propos dans ses commentaires de Cédric Kenina. Ça passe ou ça casse. Les Léopards face au Sili National de la Guinée, les quarts de finale de la CAN Côte d'Ivoire s'annoncent plus que palpitants. Les Congolais sont tous unis et croient dur comme fer à la victoire des fauves congolais. Je pense que la RDC a toutes les chances du monde pour remporter ce match contre le Sili National. La victoire est de 3 buts contre 1. RDC Léo et qu'on a match. La RDC joue ce soir. Notre mission est de l'emporter face à la Guinée par 2-0. Notre mission est également de ramener la coupe en RDC. C'est pour la fierté des Congolais, la fierté du pays, l'honneur du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Peuple congolais, tous les Katangais, faisons bloc derrière les Léopards. Soutenons-le par nos prières et nos efforts. Dieu va nous aider. Et ils vont bien jouer pour finalement marquer 2 buts. Et ça ne sera pas la joie d'une seule personne. Ça sera pour tout le monde. Nous espérons gagner les matchs. Nous espérons nous qualifier en demi-finale et voir même la finale et remporter même la coupe. Oui, nous allons gagner, monsieur. 2-0. Celle-là, c'est clair. Si nous nous rappelons de ce que l'entraîneur de la sélection guinéenne a dit à propos des Congolais, franchement, nous serons sans pardon face à l'équipe guinéenne. Tous les pays retiennent donc son souffle, en attendant bien sûr le coup de sifflet final pour enfin connaître les verdicts. La demi-finale est à portée des mains, disons des pieds. Le partenariat stratégique entre la RDC et la Serbie était au centre des échanges entre le chef de l'État et l'ambassadeur serbe en République démocratique du Congo. Pour sa part, la Belgique compte redynamiser sa coopération bilatérale avec la RDC dans le domaine prioritaire de nouveau quinquennat du chef de l'État. C'est ce qui ressort de l'audience accordée à Madame l'ambassadeur de Belgique par le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine, Pierre Kibambe Somoy. Le Royaume de Belgique s'est dit prêt à accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, réélu pour un second mandat à la tête de la République démocratique du Congo, dans les priorités de son programme qu'il a annoncé dans son discours d'investiture. Ce sont les propos de Madame l'ambassadeur de Belgique à RDC, Roxane de Bilderling, reçue par le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine. Oui, en effet, je suis venu porter le message officiel de le roi des Belges, ainsi que les félicitations du Premier ministre du Royaume de Belgique au président pour sa réélection à ce second mandat comme président de la République démocratique du Congo. Alors, dans ce contexte-là, la Belgique souhaite accompagner le président dans toutes les priorités qu'il a évoquées lui-même, d'ailleurs, dans son discours d'investiture. Vous savez que la Belgique est un partenaire important de la République démocratique du Congo, du moins je l'espère. Nous avons un programme de coopération dans divers domaines et en réalité, nos domaines d'intervention correspondent vraiment aux priorités qui ont été identifiées par le président. Par exemple, on a un très grand volet de formation professionnelle, de formation à l'emploi, de promotion de l'entrepreneuriat, un partenariat militaire et de formation. Et ça, ça correspond à la priorité du président qui veut réformer les forces de sécurité pour apporter une plus grande sécurité sur tout le territoire national. Avec l'ambassadeur de Serbie à RDC, Mirol Jub Jevtik, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a passé en revue des questions relatives au partenariat stratégique dans divers domaines, notamment de l'économie, l'agriculture, les chemins de fer, entre la Serbie et la RDC, un grand pays au cœur de l'Afrique. La Serbie a choisi RDC comme le partenaire stratégique en Afrique. Pour nous, vous êtes important, ayant en vue votre position géographique, la grandeur du pays,
l'importance du pays et aussi, alors, quelque chose de très important, ce qui est la francophonie. Donc, vous êtes dans le monde francophone et vous vous trouvez en Afrique, dans la diagonale francophone qui va du Sénégal jusqu'à Madagascar. Vous êtes au milieu, vous êtes le plus grand, donc vous êtes un pays avec lequel Serbie a beaucoup, beaucoup de choses à développer. Donc le développement dont on a parlé par rapport les rapports politiques qui sont vraiment bien, on a parlé d'élargir notre coopération dans le domaine de l'économie et en ennui d'abord l'agriculture. Donc vous êtes un pays avec, autant que je sache, 40 millions d'hectares alors arables. Donc, et en ennui que vous avez grand besoin, par exemple, dans la production de maïs, on a parlé de vous aider, de vous transformer dans un exportateur de maïs, au lieu de l'importer de d'autres pays, qu'on vous aide, que vous soyez transformé dans un pays exportateur du maïs. L'autre, on a parlé de la coopération dans le domaine de, par exemple, le développement de le chemin de fer, parce que nous avons les usines en Serbie qui peuvent être transmettre ici au Congo et qui peuvent produire les wagons pour les besoins de vos chemins de fer. Le diplomate serbe assume les mêmes fonctions d'ambassadeur au Cameroun, au Tchad et en République centrafricaine. Des questions relatives à l'instauration de la classe moyenne congolaise, la création d'emplois, de l'entrepreneuriat étaient au cœur des échanges entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec les directeurs généraux de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Kachal Katimb. C'était à la Cité de l'Union africaine. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés s'engage à poursuivre les efforts pour l'instauration de la classe moyenne congolaise conformément aux directives et recommandations du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Miguel Kachal Katimb, directeur général de la RSP, l'a dit au chef de l'État, lui exprimant sa détermination à l'accompagner dans son programme de création d'emplois et de l'entrepreneuriat de jeunes, une des priorités du quinquennat du président de la République. Parmi les 6 engagements du chef de l'État vis-à-vis de la nation congolaise, le premier engagement était celui de la création de l'emploi au travers de l'entrepreneuriat et le 4e engagement qui était celui de la diversification de l'économie nationale. Ceci prouve à quel point l'entrepreneuriat, surtout celui des jeunes, préoccupe Monsieur le Président de la République, chef de l'État. La sous-traitance doit être à capitaux majoritairement congolais. L'accès au marché des entrepreneurs congolais préoccupe au plus haut niveau le Président de la République. La chaîne des valeurs, des ressources naturelles doit être une participation majoritairement congolaise. La loi n'exclut pas les expatriés, parce que la loi parle de 49% pour les expatriés et 51% pour les nationaux. Mais chose grave, on constate qu'il y a certaines sociétés qui veulent toujours continuer avec cette exploitation abusive des Congolais. Cette époque est déjà révolue. Cette époque est déjà passée. Plus rien ne sera comme avant. Nous avons reçu la bénédiction du chef de l'État pour pouvoir remettre de l'ordre dans ces secteurs. Et c'est de cette manière que nous allons développer notre pays. 8 milliards de dollars qui s'évaporaient dans le pays, cette histoire doit changer. Ces 8 milliards de dollars doivent rester dans le pays au travers de la chaîne des valeurs et être diffusés dans la population au travers des entreprises à capitaux majoritairement congolais. Selon le bilan à mi-parcours, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés sous la direction de Miguel Katimb est passée de 3 500 entreprises au-delà de 14 000 entreprises des Congolais avec comme objectif d'atteindre 1 million de petites et moyennes entreprises.
Restons toujours à la Cité de l'Union africaine pour parler cette fois-ci de la rencontre entre le chef de l'État et les gouverneurs de la province du Haut-Uele, des échanges qui ont tourné autour du développement de cette province. On écoute le gouverneur Basséane Nanga au sortir de l'audience. Le chef de l'État, c'est un grand homme. Un très grand homme d'une certaine dimension parce que plus personne n'est donné à ce que les chefs de l'État reçoivent le petit frère de Corné Nanga devenu rebelle. Mais là, le chef de l'État m'a reçu, comme tout Congolais. Je crois que j'ai dû expliquer un certain nombre de choses. À ce qui concerne la province, tous les mensonges qui a touré, par exemple, mon arrivée ici, mais aussi lui donner les pistes, certaines informations qui puissent permettre à ce que nous puissions garder cette province toujours en état tel que je l'avais eu. J'en avais pris la commande il y a 5 ans. Et j'ai exprimé au chef de l'État la volonté de pouvoir continuer, puisque le chef de l'État lui-même avait bien voulu qu'on conserve les acquis. Et pour ne pas perdre les acquis, pour lesquels moi-même j'en étais acteur, je suis venu pour obtenir son quitus. Son quitus pour que nous puissions travailler dans la même direction avec les nouveaux élus. La date du 1er février reste commémorative tant dans la famille biologique que politique de ces grands hommes historiques de l'opposition congolaise. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, 7 ans se sont écoulés depuis que mourait le sphinx délimité. Et pour cette année, une célébration eucharistique a été organisée hier en sa mémoire en la paroisse Sainte-Anne de la Gombe. Rachel Foutou pour le récit. Sur le tarmac de l'aéroport à Kinshasa, la dépouille mortuaire d'Étienne Tshisekedi. 1er février 2017, 1er février 2024, voici 7 ans depuis que disparaissait Dr. Étienne Tshisekedi wa Mulumba, une figure politique qui a marqué la vie politique de premier rang de la République démocratique du Congo. Considéré à juste titre comme le père de la démocratie congolaise, Étienne Tshisekedi, après ses 37 ans de lutte contre la dictature, a été commémoré ce jeudi à travers une messe de requiem célébrée dans la paroisse Sainte-Anne. Fils biologique et politique de son père, le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, la veuve Tshisekedi Marthe Kasalu, ont pris part à cette messe commémorative aux côtés de toute la famille biologique d'Étienne Tshisekedi, sa famille politique, le président de deux chambres du Parlement, le premier ministre et membre du gouvernement, ainsi que plusieurs autres personnalités politiques. Dans sa prédication, l'officiant de la messe a martelé sur la grande valeur morale qu'incarnait le sphinx de Limété, notamment son abnégation et son espérance à la victoire du peuple congolais. Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Cette célébration coïncide avec le renouvellement du mandat du chef. Que le Seigneur aide le chef avec tous ceux qui sont autour de lui à vivre dans la paix et à nous mener tous vers un Congo de paix, un Congo de prospérité et un Congo de bonheur. Le chiffre 7 renvoie aussi à ces 7 fois le peuple d'Israël a tourné la ville de Jéricho. Et c'est à la 7e fois que les murs se sont écroulés. Le chiffre 7, c'est le chiffre du repos de Dieu. Sa lutte pour la démocratisation de la RDC, le peuple s'en souvient. Il nous disait tout le temps, vous allez prendre la relève de ce pays. Soyez courageux, enlevez la peur. Les leçons apprises par ces grands hommes d'État africains. Et je rappelle que c'est l'un des opposants qui n'a pas fait l'asile. Il a fait que des prisons et toujours comme un résistant, toujours au pays, il s'est battu, il n'a jamais eu peur. Décédé à l'âge de 81 ans,
Étienne Tshisekedi wa Mulumba doit être heureux d'avoir légué à la RDC son héritage politique incarné par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la réélection est à l'image de l'estime et confiance que lui donne le peuple congolais. Les hommages, les témoignages ne cessent de pleuvoir pour la commémoration d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba, considéré comme père de la démocratie congolaise. La dernière en date est celui de Freddy Kita, acteur politique. Le 1er février 2017, le président Étienne Tshisekedi wa Mulumba, de raison mémoire, nous a quittés physiquement, mais politiquement, il est avec nous parce que nous sommes dans cette école. Il nous a formés pour cette lutte de la démocratie. Et au jour d'aujourd'hui, nous commémorons la victoire de la démocratie, la victoire de cette lutte qui nous a amené aujourd'hui au pouvoir. Nous avons son fils idéologique, politique, à la personne de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est aujourd'hui aux affaires, il est dans cette lignée. Et aujourd'hui, en tant que généraliste, en tant que sage du rassemblement, en tant que Tshisekedi, c'est de première heure, je m'en félicite de ce combat. Je suis ici pour honorer encore sa mémoire de ce grand personnage politique, de ce grand combattant de la liberté qui nous ont appris le courage de combattre, le courage de vaincre la peur. Et nous commémorons cette date d'anniversaire de sa mort, de sa disparition physique, dans la méditation totale, dans l'amour, et que cela nous pousse encore davantage de continuer la lutte de la démocratie. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a procédé hier jeudi 1er février 2024 à la remise de brevets aux commissaires aux comptes ayant participé au séminaire de formation et de renforcement de capacités organisé conjointement par la primature et l'inspection générale de finances en décembre 2023. La cérémonie solennelle organisée par la primature a eu lieu au Fleuve Congo Hotel. Marcel Mubenga, Janine Kalenga. La fonction du commissaire aux comptes ne peut être exercée en République démocratique du Congo que par un expert comptable inscrit au tableau de l'Ordre national des experts comptables, ONEC en sigle. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a procédé ce jour à la remise de brevets aux commissaires aux comptes ayant suivi le séminaire des formations et renforcement des capacités organisé conjointement par la primature et l'inspection générale des finances en décembre 2023. Pour le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, la nomination des commissaires aux comptes au sein des établissements publics est l'aboutissement d'un processus déjà amorcé. Par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dont je salue à mon tour la brillante réélection et sa reconduction à la tête de la République démocratique du Congo. Pour un deuxième mandat. Dans la mise en place des animateurs des organes de gestion des établissements publics, à savoir les conseils d'administration et les directions générales. Les commissaires aux comptes ont un rôle primordial à jouer. Les commissaires aux comptes qui ont principalement comme tâche la surveillance et le contrôle des opérations financières de l'établissement public, conformément à la législation en vigueur, en la matière, notamment la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables des établissements publics. Pour le chef du gouvernement congolais, la nomination des commissaires aux comptes au sein des établissements publics est une nouvelle façon de les faire fonctionner. Il était devenu nécessaire, voire impérieux, de réhabiliter cet organe de contrôle et de combler le vide qui régnait dans la majeure partie des établissements publics, notamment ceux créés subséquemment à la réforme du portefeuille de l'État de 2008. Pour l'inspecteur général des finances, Jules Aliette, c'est pour la première fois en République démocratique du Congo de voir chef du gouvernement honorer les commissaires aux comptes. Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, avec l'expression de mes considérations les plus sincères, je voudrais saluer votre présence inédite dans cette cérémonie et rappeler au commissaire aux comptes, cela n'a jamais eu lieu dans l'histoire du commissariat aux comptes. C'est pour la première fois
que le chef du gouvernement, un chef du gouvernement fait honneur au commissaire aux comptes pour vous former, vous installer et vous remettre les brevets. Et vous devez en être fier. Bien avant, le conseiller principal à la primature, Jules Roland Kabengele, a relaté les différentes étapes de ces processus de nomination des commissaires aux comptes qui aboutit par cette cérémonie solennelle de remise de brevets. À l'Agence nationale des promotions des exportations, la présidente du conseil d'administration de cette entreprise a eu une séance de travail avec la présidente du commerce bilatéral USA et la représentante de la FEFCO sur l'engagement et la détermination des entrepreneurs en République démocratique du Congo. Sylvie Moembo. L'entrepreneuriat est le socle du développement d'un pays. Tout justement, c'est la mission assignée à l'Agence nationale des promotions des exportations, celle de promouvoir les exportations de tous les produits congolais d'origine agricole, agro-industrielle, industrielle et artisanale. La présidente du conseil d'administration de cette entreprise du portefeuille de l'État, Mme Julienne Mundela, l'a rappelé au cours des échanges qu'elle a eus avec la présidente des chambres du commerce bilatéral États-Unis d'Amérique, République démocratique du Congo, chapitre Floride, Mme Léontine Mafuta, et la représentante de la FEFCO, Mme Marie-Hélène Sango. Chacune d'elles s'est engagée à se focaliser sur le fondement des investisseurs dans l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Des piliers exprimés par le chef de l'État dans son discours d'investiture, à savoir création d'emplois et diversification de l'économie. C'était vraiment indiqué qu'on se mette ensemble pour voir quelles synergies nous pouvons dégager pour pouvoir travailler pour le bien des exportations des produits congolais. L'entrepreneuriat, c'est le socle du développement d'un pays. Sans entrepreneurs, on ne peut rien faire. On peut parler politique, on peut parler ceci, mais les entrepreneurs, ce sont eux qui tiennent vraiment l'économie du pays et qui peuvent vraiment accompagner le chef de l'État à réaliser sa vision. Le moment est venu. Fini maintenant le discours et le chef de l'État l'a même martelé. Maintenant, là, cette année, c'est une année où nous devons concrétiser tout ce que nous avons comme projet. En commençant par la production, nous voulons produire à grande échelle pour que nos produits soient vraiment vus de partout. Seul l'engagement et la détermination des entrepreneurs feront profiter la République démocratique du Congo des avantages dans les relations commerciales République démocratique du Congo, États-Unis d'Amérique. Et sachez que c'est depuis une semaine que les étudiants quinois connaissent à nouveau un calvaire pour rejoindre leur institution et retourner à leur domicile. Et pour cause, la grève du personnel des Transacademia qui immobilise les bus et revendique les paiements de leur salaire. Le plaidoyer est adressé au chef de l'État. Ricky Nzuzi, Loyamala Mayawel. À l'origine de cette grève du personnel des Transacademia, les arriérés des subventions d'équilibre mensuel de plus de 6 mois. Malgré les recours en vain introduits auprès du Premier ministre et du ministre des Finances et autres manifestations sollicitant leur intervention pour permettre à cet établissement de transport des étudiants de maintenir son exploitation. Très lésés et perturbés par l'arrêt des services, les étudiants, via leur coordination nationale, lancent un cri d'alarme et un appel à l'intervention personnelle du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur des Transacademia. Il y a grève de fonctionnaires des Transacademia. On devrait nous-mêmes passer ici pour avoir l'information à la source avec les directeurs généraux. Pour nous, les étudiants, nous demandons à ce que le chef de l'État lui-même puisse intervenir. Parce que le Premier ministre est là, il est au courant de ce qui se passe. Le ministre des Finances qui ne parle pas. Si l'autorité suprême lui-même peut intervenir, parce que nous, étudiants, on ne peut plus vivre actuellement sans Transacademia. Quelqu'un qui s'est déjà habitué à dépenser moins de 1000 francs par jour, il arrive à dépenser au-delà de 5 000, c'est compliqué. C'est compliqué si l'autorité suprême, on insiste, si le chef de l'État lui-même peut intervenir pour trouver une solution. Dans le lot des revendications
du personnel des Transacadémiens. Il faut répertorier la facture des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa, dont cet établissement a assuré les navettes comme transporteur officiel et n'a jamais rien perçu en retour pour ses services, afin de subvenir aux besoins du personnel en grève depuis une semaine. Et de leur côté, les élus nationaux, provinciaux et conseillers municipaux de l'AFDCA et AEDCA étaient sur le banc de l'école pour apprendre les méandres d'un parlementaire. Plusieurs thématiques ont été abordées au cours d'un panel. Le président du Sénat modeste, Bahati Lukwebo, a saisi cette occasion pour exhorter les parlementaires à soutenir les actions du président de la République. Les députés ont renouvelé leur confiance en leur autorité et morale. Sandra Nyangui. Ils sont élus à l'issue des élections législatives, provinciales et communales sur la liste de l'AFDCA et AEDCA et viennent de recevoir les outils nécessaires pour bien affronter la nouvelle législature. Ces parlementaires de deux regroupements politiques, Sera Modeste Bahati Lukwebo, étaient à l'école du savoir le 31 janvier 2024 au siège national de l'AFDCA situé sur l'avenue Libération ex 24 novembre dans la commune de Lingwala. Ces nouveaux élus ont appris notamment comment rédiger une bonne loi. Ils ont également reçu des informations sur les droits et obligations vis-à-vis de leur formation politique. Les moyens de contrôle parlementaire et tant d'autres thématiques ont été développés autour d'un panel animé par des têtes couronnées, dont le professeur Elingo Mabinda, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, le professeur François Mimondo Wachingolo et Ludor Balekelai. Les bénéficiaires de la formation saluent l'initiative et remercient l'autorité morale de leur regroupement politique qui a initié ces assises. Le sujet qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est la conduite, la discipline, l'exactitude à afficher lorsqu'on est député national d'AFDC. Je crois que ça nous a beaucoup instruits. Modeste Bahati, qui a réitéré son soutien aux actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a appelé les élus membres de ces regroupements à bannir les antivaleurs en privilégiant les intérêts communs. À l'issue de la formation, les participants ont exprimé leur loyauté à Modeste Bahati Lukwebo à travers une motion lue par le secrétaire permanent de l'AFDCA, Moke Sanza. Et la rencontre RDC-Guinée comptant pour le quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est l'un des sujets qui constitue l'ossature de la revue de presse dans une présentation de Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Bonjour et bienvenue à cette revue de presse. Sud Kivu, Monkeypox, la barre de 180K franchie à Kamituga, note 7/7.cd. Au total, 12 nouveaux cas de variole de singe ont été enregistrés dans la zone de santé de Kamituga, en territoire de Muinga, en province du Sud Kivu, en l'espace d'une semaine. Selon le journal, ces nouveaux cas notifiés au courant de la 4e semaine épidémique logique 2024 ramène le cumul de cas de monkeypox dans cette partie du Sud Kivu à 186 cas, dont 2 décès. Des statistiques qui ont été rendues publiques mercredi 31 janvier 2024 dans le rapport hebdomadaire sur la surveillance épidémiologique au Sud Kivu. RDC, les États-Unis offrent 2 millions de dollars américains en faveur des victimes des inondations, titre ZoomEco.net. Le gouvernement des États-Unis, par l'entremise du Bureau pour l'assistance humanitaire de l'USAID, écrit le journal, a fourni 2 millions de dollars américains pour répondre aux besoins les plus urgents des populations touchées par les inondations dans les provinces du Nord Ubangi et de la Tchopo. Ces deux provinces font partie des régions les plus impactées. Le nombre d'individus touchés s'élève respectivement à 580 000 et à 140 000 personnes.
Insécurité au Congo central, la police intercepte un véhicule de criminels avec des armes et munitions à Madimba, annonce Mediacongo.net. En croire des sources écrites le confrère, ce véhicule a été appréhendé à la hauteur du village Yawa, en territoire de Matimba, au Congo central. En croire Gédéon Bela de la société civile, ces présumés bandits à main armée se sont garés sur la route nationale numéro 1 au niveau de Yawa. Pendant la patrouille, la police a arrêté le véhicule avec à son bord des munitions, des armes et quelques outils dangereux. Seul le chauffeur a été appréhendé. Les autres ont pris la poudre d'escampette. Cannes 2023, des sabres fixent l'objectif des Léopards contre la Guinée, marqué pour gagner, rapporte Forum des As. Le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabres, note le journal, s'est montré confiant à la veille du match contre la Guinée, comptant pour le quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En conférence de presse d'avant-match jeudi 1er février 2024, le technicien français a affirmé que ses joueurs sont surmotivés et en mission pour cette rencontre décisive, refusant le statut de favori face à la Guinée. Desabres affirme que le match sera ouvert et qu'il faudra être efficace devant le but. Fin de ce journal, madame, messieurs, mais avant de vous quitter, sachez que ce soir à 21h, heure de Kinshasa, les Léopards de la RDC joueront en quart de finale face au Silice National de la Guinée pour une place en demi-finale. Une rencontre qui se jouera dans le cadre de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Merci de rester fidèle au programme de la Radio-Télévision nationale congolaise.